Et wesh les mecs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter champion rapidement sur Fortnite après le reset des points. Donc au moment où je tourne cette vidéo, ça fait à peine 3 jours que les points ont été réinitialisés. Je suis déjà quasiment champion, donc je vais essayer de vous donner tous mes conseils possibles pour monter très rapidement champion. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la boutique et d'entrer le code créateur LVGYT dans la boutique, ça me soutient énormément et merci à tous ceux qui le mettront. Bref, je vous embête pas plus et je vous laisse directement avec la vidéo. Bon visionnage. Bon les gars, du coup, on est parti directement en arène trio. Je vous conseille de faire de l'arène trio parce que c'est vraiment fort, en sachant que c'est 15 points par kill et donc il y a 3 personnes par team. Vous pouvez vous faire 45 points très facilement rien qu'en un fight, alors qu'en solo c'est 1 kill, 20 points. Nous on spawn directement à Grizzly, c'est un très bon spawn que je vous conseille. Après vous faites votre spawn que vous voulez. Voilà, essayez de jouer avec des gens avec qui vous arrivez à jouer, des gens. Bref, vous jouez avec qui vous voulez quoi, mais c'est un petit conseil. J'ai pas fait gaffe si on est contest ou pas. Non, non, personne, personne. Ok les gars, donc Oh, le on shoot. arrive directement dans le premier fight. Alors, il y a un mec, je sais pas combien ils sont. Ils fuient. 13, 12, 12, 12. Donc voilà, déjà un petit conseil, essayez de rester toujours à 3 dans vos fights, genre pas aller fight chacun une team. C'est un peu dangereux, à moins que vous soyez le meilleur joueur du monde. Mais si vous êtes le meilleur joueur du monde, je pense pas que vous regardez cette vidéo. Crac, mort, let's go. T'arrives, En ça plein air, arrive, en plein c'est air. pas. On peut les jouer ensemble. Hein. Descends sur nous, Samuel, viens. Voilà, recule, Samuel. Ah. Il y a un mec tout en haut et un mec pas tout en haut. Il y a une autre team qui nous snipe, 26. ça te gâte. Ouais. Touché. Il a pris une balle de scope. Hein. Lequel, le mec tout en haut? Ouais, Vénard. Ok. Touché, 19. Il pad tout en haut. Je suis low mat, hein. Mort. Bien joué. Ah, Mako elle est horrible. Je me mets la grosse, on prend la carte à Samuel et on bouge. Vas-y, vas-y. Hop là, voilà, il y a des splashs au-dessus, il y a 5 splashs. Donc là dans les situations comme ça, c'est mieux de bouger, on est plus que 2 en vie. Ah, il y a encore un mec en dessous, il est solo. Touché. Ok, non, il est pas solo, ils sont 2, touché, son pote. Bien, non, ils sont 3, ils sont 3. Oh, Suis-moi, 3 suis-moi, points. on va bouger, on va bouger. Tilted, c'est dangereux, surtout qu'il y a les dirigeables. Les dirigeables, les gars, c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc évitez d'y aller, à moins que vous y allez au spawn et que vous connaissez par cœur le dirigeable. À la limite, vous pouvez y aller. Mais sinon, évitez vraiment les dirigeables. Ça nous suit 2-3 fois. Fais gaffe. On va prendre le camion, on prend le camion et c'est bon, on est bon. Vas-y, monte. Vas-y, go. Nice. La crevette là. On peut essayer d'aller conner, mais le problème de conner. Wesh! Crève. Non, 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 laisse-le partir, laisse-le partir. On va prendre le canon et on va partir vers le bus là. C'est bord zone. Et en plus, la zone elle part pas tout de suite, donc je pense que c'est le mieux à faire actuellement. Vas-y, sors. Je suis encore bien re-shield moi. Vas-y, prends. Donc là, on va directement se diriger vers le bus qui est là-bas. Parce que conner c'est un peu dangereux en sachant qu'il y a le dirigeable juste à côté. Ça fait qu'il y en a qui peuvent nous pop dessus à tout moment. Alors que là-bas, c'est un peu plus sécurisé, c'est un peu plus éloigné. Donc on va aller voir là-bas, on va tenter la raise, on est deux, ça devrait passer normalement, je pense, j'espère en tout cas. Et voilà, donc vraiment, comme je vous dis, essayez d'être le plus distant avec les dirigeables, c'est vraiment, vraiment dangereux. Surtout qu'il y a des canons, il y a des tuyaux d'air là, pas vraiment des tuyaux d'air, mais vous avez compris de quoi je parle. Et des gens peuvent vous pop dessus à tout moment. Nice. On s'en est sorti de cette situation, go farm, on se met bien en build. Tu peux mettre lui en mat parce que c'est un peu la sauce. Je sais pas si t'es bien Draka. Je suis mal, hein. Même pas 200. Aïe. Ah, Samuel qui est FK, malheureusement. Nous attendons ton retour avec impatience, Samuel. Ok, nice. Et voilà, surtout les gars en trio, faut pas faire le rat. Dites pas j'ai pas de shield pour vos potes alors que vous en avez totalement. Parce que sinon, au prochain fight, il va finir nouveau sur un bus de réanimation. Donc, le mieux c'est de distribuer tout ce qui est possible et tout ce qu'il faut. Au moins, votre team est bien et vous allez pouvoir assurer vos fights. Et comme moi, j'ai un pote, il s'appelle Yanis, c'est un gros rat. Voilà l'anecdote de Samuel. Ok, ça vient de reste pas loin. Ça va rotation sur nous, voilà, on va pouvoir les jouer. Là, devant moi, 13, deux fois ou trois fois.
Je finis ma game et après je vais mettre les VB. Crac, 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 je l'ai arraché. Venez sur moi si vous pouvez. Elle est vraiment archi précise cette PM. 15. Il y a ses potes à droite. C'est pas la team qui vient de res. Go bouger une zone, bouger une zone. Je peux pas sauter. Oh, ma colo. C'est bon, moi je change zone. Go sur le toit de la station là-dessus. Y'a des mecs pas loin. Sur moi. Ouais. Je suis mort. Fuck, un HP. Un HP. Viens de répondre. Blanc, mort. 44. Fais gaffe, hein. T'as plus de vie. J'ai plus de plan, Pas de mort. T'as si tu veux. Je suis en train de taille, hein. Je sais pas si t'arrives à taille, mais. Ah non, il y avait une autre team encore. Ok, il y a un mec juste là, je sais pas s'ils sont plusieurs. Il a l'air d'être seul. Hein. En plus, ils ont l'air bien énervés. Là, l'objectif principal, c'est pas de jouer des mecs. Déjà que je suis solo, là, le but, c'est vraiment d'atteindre la fin de zone, histoire de choper un maximum de points. Parce que, n'empêche, il y a aussi des points de top, et pour monter champion, il faut des points de top. Faites gaffe aussi au bush. Rentrez toujours dans les buissons avec votre pompe en main, parce que imaginons qu'il y a un mec et que vous ayez vos mini-potes en main, c'est pas avec des mini-potes que vous allez lui mettre un moins de sang dans son énorme crâne, donc faites toujours gaffe à ce petit détail qui peut être très important. Surtout que là j'ai plus farm entre temps, j'ai pu me remettre bien, il y a peut-être moyen de faire un truc dans la fin de zone, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, si vous avez besoin de vous rail ou quoi, vous avez des murs blindés, bah là je viens d'en choper, donc ça tombe bien. Mais si vous avez des mini ou quoi, que vous avez moyen de vous rail, n'hésitez pas à utiliser vos murs blindés. C'est vrai que c'est... pas joué par beaucoup de gens, mais... Oh mais j'ai trop mal joué. Mais oh, il est passé dommage, à travers, dommage. What? Donc voilà les mecs, c'était tout pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, mais voilà. Donc c'est une outro assez particulière parce qu'on a fait, on fait un petit bef là pour l'outro. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc les conseils principaux. Aïe, moins de sang. Du coup, je disais, les conseils principaux de cette vidéo que je vous donne, c'est vraiment de jouer en trio parce que c'est vraiment bénéfique au niveau des points et c'est le plus rentable à faire. Donc faites la trio avec vos potes, ayez confiance en vous pendant les fights. Ne partez pas défaitiste parce que vous allez juste perdre le fight à cause de ça. Si vraiment vous êtes dans la sauce. Si vraiment vous êtes dans la sauce, n'hésitez pas à fuir les fights. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Ciao!